Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien, que vous peignez bien par ces chaleurs accablantes. Est-ce que vous avez tous pris votre petit masque? Quand je suis tout seul, là je n'ai pas besoin, mais pour affronter ces nouvelles semaines et ce week-end, pensez à prendre votre masque avec vous pour ce week-end, si vous avez prévu de venir nous voir. Alors pendant que je fais du blabla, est-ce qu'il y a des gens avec nous ce soir? J'ai déjà vu quelques petits messages. Est-ce que tout le monde est là? Ah non, c'était des vieux messages peut-être. Et est-ce que ma conscience est un micro ce soir ou est-ce que je suis tout seul? Non, ma conscience n'a pas de micro. Alors, ben, ce soir, on a prévu de vous montrer un petit peu comment fonctionnent les nouveaux pots qui sortent ce week-end en même temps que la boîte Indomitus. Et qui ont pour but de vous faciliter la tâche pour peindre vos nécrons. Du coup, Games Workshop a augmenté sa gamme de couleurs avec deux nouveaux métalliques, un nouveau shade et un nouveau technical. On a du coup le Runelord Brass qui passe en base. Donc attention, c'est une couleur qu'on connaît déjà, qui était un layer, et qui va du coup. Le titre du live n'est pas bon. Ça n'a pas changé le titre. Bon, bah, Bastien, ma conscience va s'en occuper. Du coup, voilà, on a le Runelord Brass qui est du coup un ancien layer qui devient maintenant une base, donc qui doit être plus couvrant. Attention, le Runelord Brass classique en layer, si vous l'aimez, va petit à petit sortir des rayons pour être remplacé par celui-ci. En éclairci, en layer, on a le Canoptech Alloy qui sort, un bronze très clair. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, on a le shade avec le Cryptek Armor Shade Gloss. Donc un shade qui, de ce que j'ai vu, va ressembler un petit peu à un intermédiaire entre le Fire Slayer et la Graxor Shade. Mais celui-ci est gloss, donc il doit avoir un rendu brillant. Alors moi, c'est un effet dont je ne suis pas forcément friand, mais je sais que vous êtes nombreux à aimer avoir un petit peu de brillance sur vos métalliques. Donc on va regarder ce que c'est. Salut, salaud, salut, salut. Ben, salut à toi. C'est les nouvelles peintures exactement qui sortent du coup ce week-end en même temps que la boîte. Et pour finir, une peinture un petit peu prometteuse qui s'appelle le Tesseract Glow. En Technicol, qui du coup est un vert très saturé, très flashy et avec une couleur, une consistance très très liquide. Voilà, donc c'est les quatre petits pots qui sortent. Salut les Manrus! On a un Primark avec nous, ou un Tank, on ne sait pas. C'est à savoir si tu es plutôt plaque métallique ou poêle, tu nous diras. Voilà, donc on a nos quatre petites couleurs qu'on va tester et pour ce faire, on va se lancer sur j'oublie tout le temps son nom parce que je ne joue pas Nécron et ça ne veut pas rentrer, le Tétrarque Nécron. Donc le Tétrarque Nécron de la boîte Indomitus qui du coup sortira ce week-end. Voilà, donc on va essayer de faire quelques tests sur celui-ci pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que oui, nous on est comme ça. Quand on fait des tests, bien sûr, on n'ouvre pas les pots avant. Et bien sûr, on prend le perso de la boîte. Parce que sinon, il n'y a pas de challenge. Ou alors, c'est un mec russe. Peut-être. Alors, voyons voir un petit peu. Donc déjà, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu la consistance de ces peintures sur une palette. Donc on va commencer par le Runelord Brass. Donc après l'avoir bien secoué, hop. Donc déjà, en termes de texture, il est plutôt chouette à l'ouverture du pot. Il est beau, il est propre. Il m'a l'air d'être assez couvrant. C'est quelque chose que je reproche assez aux métaux de Games Workshop qui, de temps en temps, ont tendance à faire un petit peu la gouttière de chaque côté du pinceau. Là, celui-ci a l'air plutôt chouette. Après, c'est un problème qu'on n'a plus hein, sur les nouveaux pots, sur les bases comme le Rétributeur Armor Gold ou d'autres. On est quand même sur des choses vraiment bien. Du coup, là, je pense qu'ils ont réussi à appliquer la même recette et qu'on va retrouver du coup un bronze assez couvrant. Pour la loi, on ne sait pas encore hein, comment on va le prononcer celui-ci. Moi je dis Canoptech Alloy. Si vous avez des propositions, on vous écoute.
À l'écrit, bien sûr, on vous écoute. Comme j'ai dit, les pots ne sont pas ouverts. Alors, on est sur une nuance très proche, mais qui va tirer sur quelque chose d'un peu plus argenté. Et là, encore une fois, on a quelque chose d'assez couvrant. Donc, quelque chose d'assez similaire au Stormoss Silver en termes de couvrance ou au Retributor. C'est assez chouette. Donc là, on est vraiment sur une teinte argentée avec une toute petite touche de chaleur dedans qui, je pense, ça va être une bonne couleur pour éclaircir des bronzes. Ensuite, on a notre shade. Oula, on attaque les blagues comme ça à cette heure-là. Je suis pas prêt. Je suis pas prêt. Alois. Ouais, mais Alois, je pense que ça fait bien français. Je pense que si tu es un peu anglais et que tu prononces, tu vas prononcer Aloy. Alors, bon, on est sur un shade. Alors, effectivement, c'est ce à quoi je m'attendais en termes de teinte. On est sur une espèce d'Agraxor shade, mais beaucoup plus rouge, très saturé. On est sur une consistance qui se rapproche assez des contrastes. Je ne sais pas si vous voyez bien sur la palette, mais en termes de saturation et d'intensité, c'est quand même plus intense qu'un shade classique. Donc, c'est assez chouette. Moi qui utilise de plus en plus de contraste, ça ressemble un petit peu à un Fire Slayer, mais qui serait un peu plus foncé. Si on regarde le Fire Slayer à côté. Est-ce que j'ai encore du. J'ai même plus un pot de shade dans ma palette. Je ne peux pas faire la comparaison avec l'Agrax, je n'en ai plus dans ma palette. Voyez la différence? Donc le Fire Slayer est plus rouge, hein, normal, mais on a vraiment la même consistance que le contraste. Les shades sont beaucoup plus transparents. Je me fais vieux. C'est tout, c'est l'âge. Voilà. Et le dernier pour la fin, le Tesseract Glow. En fait, je vais doucement surtout parce que j'ai peur d'en foutre de partout. Tu vois, ça en fout ça. Voilà. Donc le Tesseract Glow avec sa couleur vraiment particulière, c'est chelou, hein. On a l'impression d'ouvrir un petit peu les pots de peinture phospho de chez Green Stuff World. C'est assez intense comme couleur, très saturé. Il y a l'air d'avoir une bonne pigmentation. Par contre, on a pas mal de transparence. Voilà, ça a l'air d'être assez peu couvrant et de pouvoir faire des glacis assez ancrés aussi. Ouais, c'est pareil, hein, c'est quelque chose qui va se rapprocher un peu du contraste en termes d'intensité. Ça ressemble un petit peu aux couleurs qu'ils avaient sorties pour les Nighthaunt, avec le Gloom et le Vert qui étaient sortis, mais en beaucoup plus saturé en couleur, beaucoup plus jaune. Et beaucoup plus saturé. Voilà. Donc ça, je pense que ça va se passer sur une base blanche pour essayer d'avoir un effet avec la transparence. Notre lavis, ben, clairement, il va aller en lavis sur les métaux pour enrichir le rendu de bronze. Et ben, après ça, pour faire des bases et des éclaircies, je pense qu'on voit assez facilement venir le truc. Ben, je propose que l'on se lance. Ben oui, effectivement, je pense que c'est un petit peu, c'était voulu. Hein, je pense qu'ils l'ont fait exprès de sortir des pots pour faciliter la tâche des joueurs nécrons. Alors, voyons voir. On va essayer de reprendre un petit peu cette figurine. Donc, pour commencer, je suis parti sur un pré-ombrage de Leadbelcher sur une base de noir afin d'avoir déjà quelques ombres marquées dans les creux. Pour commencer, je vais reprendre tous les détails que je souhaite distinguer à l'aide de la base Runelord Brass. Donc là, je vais simplement suivre le schéma de couleurs proposé par Games Workshop et reprendre en fait tous les membres du Nécron avec cette couleur en laissant les articulations en acier puisqu'elles verront après une petite couche de noir. Hop, on va passer là.
Alors effectivement, il se pose très très bien, il est assez couvrant. En une couche légèrement fluidifiée sur la palette humide, il est... Voilà, là sur le métallique, ça se pose nickel. En une ou deux couches, on va avoir une opacité parfaite. La teinte est super intéressante, espèce de bronze très très froid. Je pense que pour faire des brossages sur du scream, du... Ah, comment il s'appelle ce pot? Mais j'en ai plus. Le Warlord Bronze, Warlock Bronze. Plop à toi. Le bronze le plus foncé de la gamme de Gems, je pense qu'on aura quelque chose de sympa à passer dessus en brossage avec ça. Alors, l'idée, c'est de voir si on arrive à peindre de manière plutôt correcte aussi un personnage Nécron, du coup, en une heure avec ses nouvelles peintures. Ça paraît jouable. Est-ce que vous prenez les paris? Alors parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont déjà prévu de peindre leur Nécron ce week-end? Et si oui, qu'est-ce que vous avez déjà comme idée de schéma de couleur? N'hésitez pas à nous partager un peu vos idées, vos envies. Ouais, il est vraiment cool. Là, les Nécrons ont vraiment pris un gros up de coolitude. Ils ont vraiment la classe et j'avoue qu'ils me font bien de l'œil. Alors, le petit aplat, il va bien. Salut tout le monde. J'essaie de lire vos messages un peu de temps en temps aussi, en levant la tête. Et ben c'est pas mal. Bon, assez rapidement, on arrive à faire une bonne base avec cette couleur. Je suis assez convaincu par sa qualité. Si vous cherchez un métallique bronze clair, donc soit pour faire une base de bronze avec des lavis par-dessus, soit pour éclaircir des couleurs plus foncées, je pense que vous tapez à la bonne porte. Voilà, alors qu'est-ce que ça donne? Alors l'écart n'est pas très parlant à la caméra. J'espère que vous arrivez à voir un petit peu la différence quand même. Mais la couleur est assez sympa. Ça fait une petite nuance qui contraste du coup quand même avec le métal clair, le métal plus clair, le oula, je casse tout. Le métal plus classique. Un peu plus de chaleur. C'est assez chouette. Moi j'aime bien. J'aime bien. Alors je pense qu'on va lui passer son petit lavis dessus et qu'on viendra faire des éclaircies après avec l'alloy du coup. Alors attaquons avec le Cryptek maintenant. Ouf, non, il ne faut pas attaquer avec le Cryptek tout de suite parce qu'il faut attendre que la couche soit bien sèche. Ah, il y a un message qui est apparu là. Tricheur. C'était
C'était ma vie privée. Je suis vieux, voilà. La tête d'un vieux, c'est ça. Alors, avant d'attaquer le cryptech, je vais faire un petit lavis de noir, donc avec ma recette favorite maintenant à base de contraste et de contraste médium. Je pense que vous commencez à la connaître. Bonjour Boris. Bovis, pardon, pas Boris. Olivier Bovis. Petit coup de dyslexie. Je cherchais une couleur pour éclaircir le bronze. Je pense que ça. Ouais, elle est vraiment bien. Pour un bronze un peu froid, top. Alors fais attention quand même sur tes salamanders, parce que ça reste un bronze très froid. Si tu veux garder du coup une teinte chaude, c'est peut-être pas sur celui-là qu'il faut partir, faudra regarder avec le bronze que tu as pour l'instant. Merci. Vous voulez pas savoir mon âge. Je suis un boomer selon Dim, mais je pense qu'il faut qu'il révise ses cours d'histoire, parce que je ne suis pas de la génération baby boom. Alors, tac, c'est parti. Je vais commencer avec quelque chose de très dilué, très transparent, afin d'ombrer mes parties métalliques. Donc, avec mon petit contraste, je viens passer une couche, oula, peut-être l'appuyer un peu plus quand même, hop, sur les zones métalliques, histoire d'ombrer un petit peu tout ça. Ah oui, parce que comme j'ai oublié de le dire. Mais du coup, Bastien l'écrit. Comme ma conscience ne parle pas, ma conscience écrit. Donc retrouvez-nous si vous souhaitez avoir moins de latence et un meilleur rendu vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch ou YouTube. Même si Facebook est très pratique, on a quand même de bien meilleurs résultats visuels sur les deux autres plateformes. Voilà, donc pour ceux qui seraient familiers de ces technologies de Jones, n'hésitez pas à aller y faire un saut afin de nous voir en meilleure qualité et avec moins de délai entre les deux. Hop. Donc là, pas de finesse, hein, on y va un peu comme un bourrin. Donc on vise toutes les parties métalliques que l'on veut traiter. Hop. Avec la petite nuance que certaines zones que l'on souhaite avoir plus noires, on les passera avec le contraste non dilué pour du coup avoir une nuance de couleur supplémentaire. Je suis hors cadre. Hop. Oui, tout à fait. Ouais, dès que vous voulez refroidir un or ou faire un bronze un peu clair, un peu froid, ça passera nickel. Je suis assez satisfait de cette nouvelle teinte. Je la trouve vraiment chouette. Hop. Hop, donc petit lavis noir de partout dans les creux. Les parties que je veux un peu plus sombres, je prends du contraste moins dilué. Hop, et je passe de partout. Hop, on est pas mal. Je vais faire les tubes métalliques ici avec du contraste pur aussi pour qu'ils soient bien marqués et que les creux soient bien noirs. Et bien faire ressortir leur volume parce que la texture est vraiment bien sculptée. Hop. Que me dit ma conscience? Je l'ai pas entendu. C'est ça, pour pas perdre la lance. On a une grande théorie avec Bastien, c'est que si les Jedi avaient mis des dragons à leur sabre laser, là, ça aurait duré beaucoup moins longtemps. Ils auraient beaucoup moins perdu leur sabre. Et souvent, les plots de Star Wars, il est vrai, partent d'une perte de sabre laser malencontreuse. Et du coup, Bastien me faisait remarquer que les Nécrons, eux, étaient plus malins. Ils avaient mis des dragons à leurs armes pour pas les perdre. Ouais, mais on n'a jamais dit que les Skywalker, ils étaient vraiment très aidés, hein.
Tu as une question concernant le live précédent. Elle est bonne celle-là. Je sais pas. Vas-y pour voir si je réponds. Et oui, nous aussi, on a hâte d'être ce week-end. C'est pas mal de pression et pas mal de taf. On a reçu les boîtes ce matin. On a fait une pile là qui monte le long du mur. Il y en a vraiment beaucoup. On a tous un peu mal au dos de les avoir portées ce matin. Du coup, voilà, on a hâte de vous distribuer tout ça et de mettre en place tout ça pour qu'on passe tous ensemble un week-end super chouette. Vas-y, pose ta question, Olivier. Alors, bah on est pas mal. On est pas mal. Je vais maintenant m'amuser avec le shade. Alors, on va la faire à la sauvage. On va faire un petit test sans dilution. Sur quoi? Qu'est-ce qu'on a envie qu'il soit le plus foncé? Parce qu'il est quand même vachement foncé, le bougre. Allez, vas-y, on va tester sur les plaques d'armure. On est comme ça, on est des fous, on est en live. On va voir ce que ça donne. La couleur est assez chouette. Contrairement à ce que je reproche un petit peu au shade, maintenant que la gamme contraste est sortie, on est sur quelque chose d'assez saturé et pas terne comme on peut l'avoir dans la gamme shade d'habitude. Donc c'est une couleur qui est assez vive. En fait, en la passant, je me rends compte que c'est ni plus ni moins que notre bonne vieille feu Chestnut Ink. Pour ceux qui connaissent, je la reconnais. Donc là, je pense qu'on va entendre des cris sur le web parce que c'est clairement de la Chestnut Ink. En plus, elle brille comme de l'encre, donc vous allez pouvoir vraiment avoir le même type de rendu que la Chestnut. Le gros avantage, c'est qu'on est sur de l'acrylique, donc ça veut dire qu'une fois posée, contrairement à la Chestnut, elle ne se rediluera pas. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir faire des lavis successifs et des passages à répétition sans avoir peur de rediluer votre précédente couche de chestnut comme avant. Donc, là d'un coup, j'ai envie de crier longue vie au Chestnut Ink. Le Chestnut Ink est mort, vive le Cryptek Armor Shade. Chestnut, c'était quand même vachement plus cool, je trouve. Alors, la technique du cuir avec la contraste, ça fonctionne avec la contraste noire. Bien sûr, ça fonctionne avec toutes les couleurs, la technique que tu as pu voir. C'est simplement que tu dois bien gérer ta dilution pour que l'on puisse bien voir à travers. C'est la transparence qui va vraiment faire marcher la sensation de texture. Donc pense bien à diluer ton contraste et à le passer en plusieurs fines couches. Pas hésiter à multiplier les couches jusqu'à ce que tu sois satisfait. Pour les couleurs dessous, alors c'est à ta convenance, on va distinguer deux, trois types de noirs. Les noirs qu'on va appeler froids, donc dans lesquels tu vas avoir des teintes de bleu, et les noirs chauds, dans lesquels tu vas avoir des teintes de brun. Et les noirs neutres, dans lesquels tu n'as que des nuances de blanc et de noir et de gris. Voilà. Donc, en fonction de ce que tu souhaites, tu vas pouvoir jouer avec ces couleurs. Donc, si tu souhaites un noir plutôt chaud, à ce moment-là, garde le beige. Si tu cherches un noir plutôt froid, pars plutôt sur une couleur légèrement bleutée, comme un Fenrisian grey. Et si tu cherches quelque chose de plutôt neutre à ce moment-là, oui, effectivement, le gris, ça fonctionnera tout à fait. Merci, l'empereur protège. Attends, faut faire le. L'empereur protège. Pourquoi mon shade blanchit par moment? J'ai pas le droit de le dire en live, c'est un gros mot. Bip! Parce que c'est des shades. Le problème qu'on a avec les shades souvent, c'est que effectivement le médium a ce souci qui, quand il
quand il merdoie, quand il a décidé de ne pas se passer comme il faut, il va avoir cette tendance à faire des zones un petit peu blanchâtres. C'est malheureux, ça arrive. Alors, les raisons qui font que ça arrive. Déjà, pas bien secoué, pas bien mélangé. Si votre peau a pas été bien préparée, vous risquez d'avoir le problème. Vous pouvez aussi avoir un vieux pot. Ça a tendance à arriver plus souvent sur les vieux pots. Vous pouvez aussi avoir passé une couche trop importante, ce qui fait que l'accumulation de médium va créer cette petite laitance blanchâtre qu'on a un peu dans la surface. Et j'ai remarqué aussi que ça marchait avec les pots qui ont pris la chaleur. Si vous laissez vos pots trop près du radiateur ou à une fenêtre où ils prendraient le soleil, vous allez avoir beaucoup plus souvent ce problème. Du coup, si vous ne voulez pas, faut changer vos pots ou enfin après les utiliser suffisamment vite pour pas avoir ce souci. Sinon, vous pouvez essayer comme moi. C'est un peu pour ça que maintenant j'utilise le contraste médium parce que le contraste médium n'a pas ce souci. Du coup, lui, quand il a décidé de vous enquiquiner, à la place, il va faire juste une brillance, comme si vous aviez mis un vernis brillant, mais dans ce cas-là, juste repasser une couche bien secouée ou un vernis mat et ça corrige le problème. Là où sur un shade, vous ne pouvez pas corriger le problème à part repeindre la zone. Et du coup, vous arrivez à avoir des couleurs qui vont être similaires à des shades avec des contrastes, simplement en les nuançant, en les mélangeant, en jonglant avec le contraste médium. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Guillaume? Et Olivier aussi, juste avant, est-ce que j'ai répondu à ta question? Voilà, donc hop, on en est là. Après deux aplats et de la vie, je trouve que c'est assez chouette. Le rendu de notre bon vieux Chestnut Hick est plutôt cool. Alors la difficulté, c'est qu'il va falloir se rendre compte du moment où il est sec, vu qu'il brille. Donc on va le laisser sécher tranquillement 2 minutes. Je vais en profiter pour faire quelques détails sur la figurine à droite à gauche. Alors, je vais reprendre un petit peu de doré. On va faire un petit test. Hop. Un petit peu de doré et on va peindre ces deux petites guirlandes là. Hop. Donc un petit aplat rapide. Hop. Alors j'essaie de me rappeler du schéma de couleur de Gems de tête, mais avec mon grand âge avancé, ma mémoire commence à me faire défaut des fois. Alors, oula, beaucoup de messages. Merci, nickel. Top, salut les jeunes, salut le vieux. J'aime bien tu vois, paf. Autant, c'est pour que tu gardes la forme, tu vois, c'est te challenger un petit peu, te taquiner. Tu vas monter tes spells. Et bah, au boulot. Autant utiliser les shades de la gamme PA Games, du coup. Bah, après, c'est une question de choix. La gamme PA Games, pour ma part, ceux que j'ai essayés, je les trouve très mats. Et j'aime bien avoir un rendu plus satiné à la base. Donc, après, c'est vraiment une histoire de goût. Après, comme je te l'ai dit, à toi de jongler aussi avec les gammes que tu préfères. Je ne sais pas s'il y a des soucis sur la gamme PA Shade. Et je ne l'ai pas suffisamment utilisée pour pouvoir trouver éventuellement les petits défauts qui peuvent survenir. De toute façon, avec les médiums, ils ont